Bienvenue à l'écoute de Nana FM, mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du mardi 24 juillet 2018. Et tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. C'est avec Ouro Akpo-Tchaniao, il est député ANC, de retour de la tournée de la coalition des 14 dans le nord du pays. L'autre groupe qui était à Mango a réussi à faire un grand meeting, une mobilisation très importante. La population était en liesse d'être libérée parce que c'est une libération. Et beaucoup ont posé des questions par rapport à la sécurité, par rapport au retour de leurs frères qui sont en exil, par rapport à ce qui va se passer après le 31 juillet en ce qui concerne le sommet de la CEDEAO. Des populations de l'intérieur contentes d'être libérées et assoiffées d'informations en ce qui concerne tout ce qui se passe dans la capitale. Voilà la description faite par Ouro Akpo-Tchaniao. Mais la perception est-elle la même pour tout le monde? C'est la question que nous nous posons ce jour à travers cette interrogation. La crise sociopolitique est-elle vécue de la même manière à Lomé qu'à l'intérieur du pays? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Diri Tama, président du Nouvel Engagement Togolais NET. Bonjour, Monsieur Tama. Bonjour. Vous étiez en tournée dans la région des Plateaux, pratiquement à la même période que la coalition des 14. Nous en parlerons dans quelques instants. Ce débat se fera avec vous, les Togolais, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. La crise sociopolitique est-elle vécue de la même manière à Lomé qu'à l'intérieur du pays? C'est le thème du jour. Alors Diri Tama, je le disais il y a un instant, vous étiez également à l'intérieur du pays, plus précisément dans la région des Plateaux. Quelles ont été vos impressions? Vous savez, quand on parle d'intérieur du pays au Togo, il y a deux niveaux au niveau de l'intérieur du pays. Il y a les Togolais de l'intérieur des villes et il y a les Togolais de l'intérieur des campagnes. Les zones rurales. Les zones rurales. Nous avons effectué une tournée de deux jours dans les préfectures d'Esmono et de Haro. Et là, nous avons pris le soin d'aller beaucoup plus dans les zones rurales, puisque les trois cantons que nous avons fait à Esmono et les trois autres cantons que nous avons fait dans les Haro sont des cantons reculés des centres-villes. Et c'était aussi, je crois... pour prendre aussi le pouls de ces zones-là, puisque lorsque la période électorale arrive, que vous soyez dans la ville ou vous soyez dans la campagne, vous êtes sollicité. Des politiciens arriver. Voilà. Donc la perception, c'est que aujourd'hui, les gens dans ces campagnes-là sont beaucoup plus préoccupés par leurs soucis quotidiens. Et que nous avons été même plutôt surpris de constater que dans certains de ces villages, les gens ne savent même pas qu'il y a une crise qui se passe à Lomé. Les gens ne savent pas qu'il y a un dénouement avec un point d'interrogation qui est supposé arriver le 31 juillet. Donc il y a une complète ignorance des réalités politiques qui se passent dans la capitale. Parce qu'encore une fois, l'absence d'information, puisque vous savez, une émission comme celle-là... Et toutes les radios privées n'ont pas l'autorisation pour émettre jusqu'à l'intérieur du pays. Donc du coup, et les seules radios qui sont autorisées sont souvent des radios rurales qui n'ont pas un programme très axé sur les faits politiques. Donc les populations de ces régions-là sont maintenues dans une sorte de désinformation ou de sous-information chronique. Alors, les paramètres qui permettent d'apprécier la manière dont ils vivent la crise, vous avez parlé d'absence ou de manque d'information, mais est-ce que ce lien que les gens des villes font très souvent entre la gestion du pays par les gouvernants et leur situation économique, est-ce que ce même lien est fait dans les zones rurales? Est-ce que, comme vous l'avez dit, la pauvreté, est-ce qu'il l'assimile à une mauvaise gouvernance? Quand nous regardons, vous avez certainement vu les images, la mobilisation qu'il y a eu dans ces village où nous sommes arrivés, cette mobilisation traduit d'une soif, non seulement de l'information, mais du changement, parce que tout le monde vous dit, ça fait maintenant longtemps que nous demandons des choses que nous n'avons pas et dont nous vivons une situation de quasi-faillite des services, surtout des services sociaux de base. Donc oui, les gens sont dans l'attente, les gens sont dans la misère,
Et par contre, le lien immédiat, je le dis bien, le lien immédiat n'est pas toujours établi entre la mauvaise gouvernance et leur situation. Parce que vous savez, le paysan n'est pas à la base un révolutionnaire. Le paysan, à la base, il va, il cultive son champ. Et si la pluie ne tombe pas, il invoque les esprits. Et si les récoltes ne sont pas bien, parfois c'est la faute du voisin qui... Voilà. Mais il peut lui arriver de se souvenir qu'à un moment donné, un tel politicien est venu lui oui, promettre... Si par contre, ils ont une dent contre tous les politiciens parce que malheureusement, et ça fait partie d'une des insuffisances que nous essayons de combler, c'est que les politiques ne viennent les voir qu'en période électorale. Et après disparaissent et ne reviennent qu'en période électorale. Donc, du coup, de fait de cet abandon quasi permanent des politiciens, qu'ils soient de l'opposition comme du parti au pouvoir, les populations, celles que nous avons rencontrées, bien entendu, parce que je ne peux pas parler de celles qu'on n'a pas rencontrées, sont complètement désabusées en ce qui concerne la capacité des politiciens à améliorer, à modifier leur quotidien. Et ça, c'est une phrase qui nous est revenue tout le temps. Il y a d'autres personnes qui sont déjà venues nous voir ici, nous ont trompés, et après, on ne les a plus jamais revus. Donc, il y a une sorte de désintérêt, désengagement aujourd'hui de nos populations vis-à-vis de la politique en général, parce qu'ils disent tous, les gens viennent en période électorale, on les voit. On vote pour eux, qu'ils soient de l'opposition comme du parti au pouvoir, et après ils disparaissent. Et après, quand ils reviennent peut-être lors des funérailles, on les voit même pour les rapprocher. C'est extrêmement difficile. Ils mettent leur visage, comme les gens de l'Édit, de l'autre côté, hein, pour ne pas nous voir. Et donc, du coup, ils ne pensent pas que les politiciens, et ça en est assez regrettable, sont en mesure de modifier de façon conséquente leur quotidien. Ça, c'est quelque chose. Mais il n'en reste pas moins que, quand on regarde la mobilisation, dans tout, on nous a en fait 6 cantons, et dans les 6 cantons, les gens sont systématiquement sortis de façon importante, mais c'est qu'il y a une soif, non seulement du changement, mais il y a une soif d'écouter, de comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce que les choses ne changent pas, pourquoi les choses n'évoluent pas. Mais il faut aussi reconnaître qu'ils n'ont pas, sans aucun doute, la fièvre militante et révolutionnaire qu'on peut trouver facilement dans les grandes villes et peut-être dans Lomé. Alors, si nous quittons la région des plateaux, nous allons encore un peu plus haut, la région centrale. Dans le cadre de votre tournée, vous n'y êtes pas allé, mais on imagine que le net a des cellules ou des antennes dans ces zones. Maintenant, quelle est la perception dans cette zone? Vous avez écouté Ouro Akpochanyaou qui pense que les populations avaient carrément l'impression d'être libérées, qu'ils avaient également une certaine soif d'information. Est-ce que dans ces villes, notamment Sokodé, Bafilo, Mango, vous pensez que la situation est différente? Bien sûr, vous savez, les villes comme Sokodé, Mango et Bafilo ont payé un lourd tribut à l'hôtel de leur engagement pendant les périodes de fièvre entre septembre et peut-être décembre 2017. Donc il est évident qu'elles ont vécu pendant un certain temps une situation quasiment de forteresse où même si la circulation était autorisée, elles ne se sentaient pas complètement libérées. Je crois que nous avons souhaité et répété à plusieurs reprises qu'il n'y a pas de raison à ce qu'on empêche dans certaines localités l'exercice de droits qui sont des droits fondamentaux consacrés par notre constitution. Donc je crois que le fait qu'on ait autorisé que ces manifestations aient lieu était une bonne chose. C'est une façon d'expliquer que ben, le problème il est derrière nous. Et c'est une façon aussi, je pense, on va dire, aux formations politiques qui étaient à l'origine des manifestations, de reprendre la main, même si vous savez que ça s'est fait dans des conditions assez particulières, et que l'une des principales formations qui a été à l'origine de ces mouvements dans ces régions-là n'était pas associée, ou bien ne s'est pas associée aux manifestations. Mais il n'en reste pas moins que les deux sentiments que j'ai décrits, le sentiment de sous-information et le sentiment d'abandon, est aussi très très perçu dans ces régions-là. Parce que honnêtement, les gens vous disent, on a l'impression que vous les politiciens, vous jouez de nous, vous venez nous voir quand vous avez besoin de nous, et après vous disparaissez. Et même quand on prend le cas des députés, on l'a remarqué partout, ils vous disent, mais même nos députés qu'on a élus, on ne les voit pas. On les voit rarement, les promesses qu'ils nous ont données, que souvent les gens donnent
pour Maskissa, qui ne peut pas tenir en tant que député, bien entendu. Mm. Donc, du coup, ces deux sentiments-là, le sentiment de l'abandon et le sentiment de sous-information, sont très, très, très développés. Mais eux, dans ces villes, selon ce qu'on voit, visiblement, ils attribuent leur situation à la gestion du pays, puisque ce sont des villes qui ont été très actives en termes de contestation. Bien sûr. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est... j'ai parlé tout à l'heure du militantisme, c'est-à-dire le militantisme. Si vous avez un parallèle à faire, c'est que quand vous prenez les endroits où il y a eu beaucoup de manifestations pendant la période de fièvre dont je parle, c'est quasiment à l'exception de Tchamba, des régions où des préfectures ou bien des circonscriptions où l'opposition a au minimum un député. Donc ça veut dire que, ben, en réalité, le militantisme de l'opposition est déjà implanté. Est-ce du militantisme ou de la clairvoyance à partir du moment où on vous explique un certain nombre de choses? Maintenant, la clairvoyance peut être subjective. Le militantisme s'applique aux gens qui ont embrassé un parti politique et les idéologies politiques. Donc je pars du principe que dans ces endroits où déjà, lors des élections de 2013, une partie de la population a donné sa voix à l'opposition, ça veut dire que y a quand même une ouverture d'esprit sur les idéaux de l'opposition et la nécessité de changement d'alternance. Donc, dans ces endroits-là, aujourd'hui, que ce soit... Et puis bon, vous savez, Sokodé est une ville traditionnellement ancrée dans l'opposition, même si on se rend compte qu'elle partage ses voix aujourd'hui lors des élections législatives avec le parti au pouvoir. Donc, en réalité, dans ces endroits où il y a toujours, dès le départ, eu des militants de l'opposition, il n'est guère étonnant qu'il y ait une activité politique liée à l'opposition qui soit très florissante et très importante. À Dapaon, la situation est-elle la même? À Dapaon, bien entendu, vous savez, Dapaon aussi a même, on va dire, deux députés de l'opposition. Donc, Dapaon, Mango, Tanjoare, Bassar, Dankpen, Sokodé. À vous entendre, on a l'impression que ce ne sont que les localités où il y a des députés de l'opposition, qu'il y a de la contestation. S'il y a une chose que j'ai toujours reproché et regretté, et en cela je rejoins un peu la position du PNP qui dit ça sert à rien d'aller à des endroits où vous êtes déjà bien assis, c'est que les endroits en réalité où Unir a pris l'ensemble des voix en 2013, ces endroits-là n'ont pas été... C'est normalement à ces endroits-là que nous devons aller nous faire de l'activité pour pouvoir arracher des voix à Unir. Mais en réalité, aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus les endroits où il y a déjà, comme je l'ai dit, un militantisme de l'opposition qui sont actifs. Quand vous prenez l'ensemble des préfectures où Unir a pris 3-2 sièges sur le 3-3 ou 2-2 ou 4-4, en réalité, l'opposition n'a fait aucune activité aujourd'hui. Mais il y a quand même eu des exceptions, des localités où il y a eu des marches aussi. C'est pour ça que je vous ai dit à l'exception de Tchamba. En dehors de Tchamba, c'était moi une autre localité où il y a eu des manifestations importantes, où Unir avait remporté les 3 ou bien les 2 sièges. Donc c'est peut-être aussi une interpellation, parce que ça ne sert à rien d'ouvrir les portes qui sont déjà ouvertes. Sans aucun doute, c'est bien de renforcer la foi militante des populations. C'est bien aussi de pouvoir peut-être chercher à prendre les 100% au lieu de prendre les 50% ou bien les 30%. Mais il n'en reste pas moins que pour nous, l'enjeu, c'est beaucoup plus peut-être d'aller à ces endroits qui sont constitués plus ou moins comme des bastions, où il faut arracher des sièges. Vous imaginez qu'en 2013, sur 25 sièges dans la région des Prateaux, Unir a pris 22. Et donc, alors que en 2007, Unir avait à peine 5 sièges dans la même région. Donc il y a des travaux qu'il faut faire à des endroits et parfois on a l'impression que, enfin ça c'est notre opinion, que ça ne va pas forcément dans ce sens-là. Alors, est-ce que cela veut dire, et nous allons ouvrir le standard bientôt, qu'à votre avis, cette crise sociopolitique n'est pas vécue de la même façon à Lomé qu'à l'intérieur du pays? Elle n'est pas vécue de la même façon, vous savez. Quelles sont les différences? Non, c'est ce que je dis. Quand vous prenez Lomé, on subit une sorte de marteau-thérapie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous ne captez pas une seule chaîne qui parle de la crise. On suit au détail près. Quand les facilitateurs arrivent, on sait l'heure à laquelle ils sont venus, ce qu'ils mangent à leur petit déjeuner, ainsi de suite. On sait quand est-ce qu'ils rentrent en salle. Mais nous, à Lomé, nous sommes aware, nous sommes informés. Peut-être parce qu'on vit la crise de plein fouet. Parce que nous vivons la crise, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont aujourd'hui un vecteur d'information quasi instantané. Et donc, nous le vivons en temps réel.
Mais à l'intérieur du pays, la plupart des doléances que dans les 6 cantons que nous sommes, nous avons reçues, la première des doléances, je ne peux pas vous dire que quelque part nous avons reçu comme première doléance le départ de M. Fognasingbé, le changement de régime, non. Les gens, la première chose que les gens vous disent, c'est la route qui est mauvaise. C'est la spéculation que les gens font sur leurs produits agricoles. C'est l'état de l'hôpital, la route et l'eau. L'eau qui est très importante, l'accès à l'eau, l'accès aux soins de santé, le chômage des jeunes. Alors, à qui revient la responsabilité de répondre à ces doléances? Mais oui, c'est au fait le gros problème. C'est pour ça que je vous ai dit que le paysan, à l'origine, n'est pas un militant et ni un révolutionnaire. Lui, son problème, c'est le problème quotidien. C'est à nous maintenant de forger cette foi militante et cette ferveur militante. C'est à nous de lui dire, écoute, il faut faire une corrélation entre ta situation et les choix politiques que tu fais. Parce que ces choix politiques-là, la personne ne fait pas automatiquement une relation entre le fait qu'il ait voté pour telle personne. Donc sur ce plan, la capitale est sur la bonne voie, puisque vous avez expliqué que les habitants étaient en avance avec les réseaux sociaux et l'information. Depuis toujours, la capitale togolaise a été ancrée dans l'opposition. En 2013... Non, pas ancrée dans l'opposition ou le parti au pouvoir, mais en termes d'accès à l'information et de capacité à faire situation et les choix politiques. Oui, je vais dire même qu'au-delà, quand vous prenez 2013... 80% de la capitale a voté pour l'opposition. C'est-à-dire que sur les 10 députés qui étaient en lice, il y a 8 qui étaient de l'opposition. Donc, et du fait de cette information permanente, et donc qui permet aux gens d'être éveillés, de comprendre les enjeux, fait que les gens de la capitale comprennent mieux les enjeux, comprennent mieux ce qui se joue, que des gens qui sont quelque part, qui n'ont pas accès aux médias traditionnels, qui n'ont pas accès aux nouveaux médias et qui n'ont pas donc les moyens de se forger une foi militante qui leur permette, le moment venu, de s'exprimer dans les urnes comme les gens le font dans la capitale. Maintenant, en termes d'impact économique, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a chiffré cet impact à autour de 70%, l'impact de la crise sur les activités économiques. Cet impact, elle est forcément vécue du sud au nord ou du nord au sud, puisque Nicolas Dogblé, il écrit que la crise du Togo, la crise au Togo est comme l'Harmattan qui commence depuis Saint-Cassé qui s'étend sur toute l'étendue du territoire. Si les gens quittent l'intérieur du pays pour venir à Lomé, c'est parce qu'ils pensent que la vie à Lomé est meilleure. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais l'exode rural est quelque chose qui est permanent dans tous les pays, qui est crise ou pas, parce que quand le veut ou non. D'abord, quand on prend l'Afrique, les travaux champêtres sont pénibles, donc il est évident que les gens cherchent quand même une meilleure condition de vie, et puis quand le veut ou non, la finance n'est pas suffisamment installée dans les villages. Quand vous allez dans un village et vous sortez un billet de 5000 francs, quand vous voyez le regard que les gens prennent pour regarder les 5000 francs, vous comprenez que vous êtes en train, c'est parfois comme si vous êtes en train de les narguer, parce que quelle activité vous faites dans un village pour avoir 5000 francs? Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une préfecture où j'ai rencontré des enseignants volontaires qui me disaient, ça m'a fait quasiment couler les larmes, qui sont payés 5000 francs tous les 3 mois. Vous imaginez des gens qui sont des enseignants volontaires et qui reçoivent 5000 francs tous les 3 mois. Donc, il est évident que ce n'est pas forcément lié à la crise, mais c'est lié au fait que nous sommes dans une situation où la gouvernance doit absolument être améliorée pour permettre, sans aucun doute, à ce que ces gens-là puissent avoir de meilleures conditions de vie. Donc, la crise, elle est vécue sans aucun doute différemment en fonction d'abord de la pénétration des finances dans les milieux. Les zones. Voilà, c'est-à-dire que le secteur privé est très développé dans les villes, surtout à Lomé, alors que dans les campagnes, vous comprenez très bien que les gens sont dans une économie de subsistance où la monnaie n'a pas un si grand rôle que ça, parce que ils n'ont pas vraiment des moyens de créer une richesse. Nous ouvrons maintenant le standard, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, la crise politique est-elle vécue de la même manière à Lomé qu'à l'intérieur du pays? Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, on vous appelle comment? Monsieur Briand. Monsieur Briand, depuis Super Taco. Allez-y, nous vous écoutons. Non. Monsieur Dilit, a tu bien dit. C'est que il y a entre les villes secondaires et les campagnes, d'abord, il y a une différence.
Donc, la crise est mal vécue par les campagnes et les villes secondaires, c'est-à-dire les deux localités de l'intérieur. Donc, vous pensez que le vécu n'est pas le même? Non, le vécu n'est pas le même. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, dans certains villages, même au Togo, les gens ne connaissent même pas le pain. Est-ce que vous voyez ça? Donc, jusqu'à ce que l'information arrive là-bas, bon, c'est trop tard. Mmh. Et c'est ce qui fait profiter, bien sûr, au régime en place. Bien. Ce qui fait que lors des campagnes, il suffit d'un seul petit tricot et les gens votent rapidement unis. Merci. Parce qu'ils reçoivent le tricot alors que les autres positions vendent, bon, surtout ceux de l'UFC, de l'ancien temps de l'ANC. Vous en avez acheté aussi, M. Briand. Bien, merci Monsieur Briand d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Il pense que cela profite au parti au pouvoir, cette situation. Oui, bien sûr que ça profite au parti au pouvoir. Parce que d'abord, il faut savoir que dans les campagnes, les seuls interlocuteurs que les villageois ont sont les cadres qui sont installés dans les campagnes et qui sont à 90 ou 95% impactés ou bien, je veux dire, en quartier uni. Les directeurs d'école, les encadreurs, les enseignants, tout ça, en règle générale. Puisque l'appartenance au parti au pouvoir est un moyen d'ascenseur social, ben en réalité, les seuls, entre guillemets, ce qu'on appelle les autorités dans les villages, sont quasiment en quartier à unir. Donc, ce qui fait que ça joue énormément. Et s'il n'y a pas une force, on va dire, d'opposition qui tient, qui informe les populations d'autres paramètres, ben en réalité, on se retrouve dans une situation où les seules personnes qui connaissent, c'est ceux de l'UNIR. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est un contexte volontairement maintenu par le parti au pouvoir pour avoir cet avantage? Volontairement maintenu, j'en sais rien. Vous savez, dans tous les pays où il y a eu des partis au pouvoir qui sont installés, qui ont duré comme le nôtre, l'envie et la volonté de se pérenniser au pouvoir a toujours été permanente. Maintenant, il nous revient. On ne peut pas rester planifié tous les jours en disant « oui, ben ils font ça ». Ils font ça tant que ça reste dans le domaine de la loi. Ce que vous pouvez voilà. Faire il pour nous revient maintenant à nous de trouver des stratégies pour les contrer. Parce que nous n'allons pas non plus, ne comptons pas sur les cadres d'UNIR à nous donner le pouvoir gratuitement. Ils ont envie de le garder longtemps. C'est à nous maintenant de trouver des stratégies innovantes, nouvelles, qui nous permettent de mieux conscientiser ces personnes-là et puis changer les choses. Un autre auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour monsieur Amouzoubi, comment allez-vous? Très bien. Allez-y, nous vous écoutons depuis Tocoin. Je salue le président Jérusalem. Bonjour. Oui, c'est vrai que vous êtes en train de tourner partout. Vous voyez, il y a toujours la différence entre les citadins et les villageois. C'est de la même manière que la politique en ville doit être différente de la politique dans les hameaux et aux villages éloignés. Bon, mais en tant qu'acteur politique, moi je veux vous poser une question. Est-ce que vous êtes d'accord sur un quatrième mandat pour le président Faure? Ce sera tout, M. Amouzoubi? Oui. Merci. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, mais M. Tama est libre d'y répondre ou pas. Il vous donnera son avis dans quelques instants. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Monsieur Maglo, comment vous allez? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Vous savez, s'il y a une chose que nos populations partagent en ce qui concerne les conséquences de la crise, c'est la pauvreté. Elle frappe partout, de la capitale jusqu'au fin fond de nos campagnes. Ça, nous sommes d'accord? Bien sûr. Oui. Bon, à part cela... Vous savez, les capitales ont été toujours dans tous les pays les puissants des crises. Vous comprenez par là que la façon dont ces crises sont vécues, il y aura une différence nécessairement. La preuve, nos autorités même pensent dans la capitale même que les gens de Bekota vivent ça autrement. Vous comprenez ça là aussi? Ils pensent qu'en renvoyant les manifestants vers les Bekota, ils ne sentiront rien. Et parlant maintenant de l'intérieur même du pays, ça c'est une question de l'éloignement. Il y a les moyens de communication qui ne permettent pas que nos populations soient au courant, surtout parlant des gens de l'intérieur. Donc vous pensez que c'est la pauvreté qui est la chose la mieux partagée en ce qui concerne la crise? Nous sommes tous d'accord. Merci. Je pense même qu'à le meilleur, il y a plus de pauvres qu'à l'intérieur.
Oui, et il y a eu une étude de l'INSED qui l'a démontré dernièrement. Merci, Monsieur Maglo, d'avoir participé à ce débat. Bon, sur le fait qu'il y ait plus de pauvres à Lomé qu'à l'intérieur du pays, ça, nous n'avons pas les données. Mais la pauvreté a progressé à Lomé plus que dans certaines régions de l'intérieur du pays. Ce sont les données communiquées par l'INSED. Encore un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Pélé depuis Doulassamé. Oui, bonjour, M. Guéry. Bonjour. Et bon, et moi, le défi, ce n'est pas le même. Hein. Mais il faut comprendre que ce régime n'a pas de fief au Togo. Ce régime n'a pas de fief. Seulement, il a verrouillé l'administration avec toutes les choses de l'État public. Il gagne tout. Et c'est pour cela que moi, je dis à l'opposition de faire une alliance électorale. Parce que M. Guéry Tama vient de suggérer quelque chose qui m'a qui me fait du mal et que j'ai posé une cette question à Mme Elisabeth Amigali. Qu'est-ce qui vous fait mal? Dans la région Plateau, on a 25 tiers qu'on considère comme le chef de l'opposition qui a pu faire 25 tiers. Moi, je me demande comment il a pu gagner ce chef-là. Bon, concernant M. Guéry Tama directement, je voudrais lui poser une question. Parce que aujourd'hui, on a un statut de l'opposition qui nous dit que tu es au pouvoir, c'est-à-dire tu es dans le gouvernement et que tu es encore opposant. Leur alliance qu'ils sont en train de faire que centriste-là, on a la CPP qui est dans le gouvernement et qui est centriste. Ça ne pointe pas, ça, c'est pas la même chose. Bien, merci Monsieur Pélé depuis Doulassamé. Alors, on va commencer avec Monsieur Amouzouvi. Qui a estimé à un moment donné que la crise n'était pas vécue de la même manière dans les villes que dans les zones rurales. Il vous a posé une question en ce qui concerne un éventuel quatrième mandat pour Fonia Singbe. Souhaitez-vous lui répondre? Oui, non, j'ai toujours été clair que je ne souhaite pas que M. Fonia Singbe se présente en 2020. Et ça, c'est évident. Je le dis toujours. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Je suis né en 115. Mais si Fonia Singbe était au pouvoir, je ne souhaite pas que... Vous êtes déjà en retard sur Macron. Voilà. Donc, vous comprenez que je ne souhaite pas qu'un Fonia Singbe au pouvoir à mes 50 ans. Mais il y a une chose en tout souhaiter et réaliser. Si nous contentons de dire nous ne voulons pas d'un quatrième mandat de M. Fonia Singbe, en ne nous organisant pas dans l'éventualité qui se présente pour le battre, on aura M. Fonia Singbe président de la République après 2020. Donc c'est... Oui, nous ne souhaitons pas, mais maintenant, après, si nous nous abritons derrière juste nos souhaits, ben écoutez, je souhaite être président demain, c'est pas pour autant que je suis président. Il faut maintenant se battre, s'organiser sur le terrain, trouver des stratégies qui permettent, dans l'hypothèse que M. Fonia Singbe se présentait en 2020, qui permettent à l'opposition de le battre. Sinon, ça ne suffit pas de faire des incantations du matin au soir en disant « fort de gars, fort d'émission » et tout ce qu'on a. Ça fait maintenant une année que les gens crient ça sur les rues et ça n'a jamais fait démissionner qui que ce soit. Monsieur Maglo dit que la pauvreté est la chose la mieux partagée actuellement et Pélé, depuis Doulassamé, pense que le parti au pouvoir n'a jamais eu de fief. Mais il s'est servi de l'administration qu'il a verrouillée. Vous partagez cette analyse? Je l'ai dit tout à l'heure que quand vous prenez sur le terrain, surtout dans les campagnes, tout ce qui est, entre guillemets, ce qu'on appelle au Togo affectueusement autorité, dans tout ce qui est lié à l'administration, qu'elle soit centrale ou décentralisée, est encarté au niveau du NIR. Donc en réalité, ça fait les chaînes d'un long maillage qui occupe le terrain et qui fait en sorte que les seuls interlocuteurs que les populations ont, c'est ces personnes-là. Et quand vous ne connaissez que quelqu'un, vous avez tendance à voter pour cette personne-là parce que vous n'avez pas quelqu'un d'autre. C'est à nous, au niveau de l'opposition, de nous organiser pour nous aussi occuper le terrain comme ils le font à travers l'administration. Maintenant, dans tous les pays où il y a eu des partis au pouvoir longtemps, ils ont toujours mis l'administration dans leur poche. Et voilà, il faut trouver des stratégies pour casser ce lien-là. Vous êtes centriste, le CPP également. Est-ce que vous n'y trouvez pas d'inconvénient le fait qu'il y ait un membre de ce parti qui soit au gouvernement ou pas, la question de M. Pélé? Nous avons toujours dit que le centrisme, le groupe des centristes qu'on a créé est juste, on le dit encore aujourd'hui, c'est un cadre de concertation, de proposition. Si vous vous rendez compte, ces trois ou quatre dernières semaines, le NET a fait plein d'activités sur le terrain, mais au nom du NET. Nous pensons que des gens qui, pendant cette crise-là, partagent des idées communes, peuvent se retrouver ensemble. Nous avons, avec le CPP, fait
déclarations, fait sortir des communiqués qui étaient très critiques vis-à-vis du pouvoir. Ça ne les a pas empêchés de signer ces communiqués-là. Donc je pense que tant que le CPP ou quelque autre parti qui désire de rejoindre les centristes reste dans l'esprit des centristes, il n'y a pas de souci. On a fait des sorties de communiqués qui étaient très critiques vis-à-vis du pouvoir. Le CPP n'a pas refusé de les signer. Mais est-ce que ce n'est pas une contradiction, en fait? C'est ce que veut dire M. Pellet, que la convergence patriotique panafricaine dise ou fasse des déclarations qui aillent à l'encontre parfois de la politique du gouvernement. Maintenant, après, c'est le problème du CPP, ce n'est pas le problème du NET. C'est-à-dire que si le CPP a un gouvernement, a un membre dans le gouvernement, le critique, c'est, honnêtement, ça, ce n'est pas notre problème à nous. Mais l'essentiel, c'est que si nous avons, au niveau des centristes, une position et que cette position-là est complètement partagée par tous les partis qui sont dedans, on va continuer à pas avancer. Si un jour ça change, bien entendu qu'on n'y sera plus. Le 91 09 71 71, auditeur en ligne, allô. Allô. Bonjour. Allô. Bonjour, madame ici. Madame ici. Allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Alors, à votre avis, est-ce que la crise est vécue de la même manière à Lomé qu'à l'intérieur du pays? Tout est verrouillé à l'intérieur, si bien qu'ils ne sont pas trop au courant, et c'est fait exprès. C'est une dictature qui le fait, surtout la militaire si féroce comme au Togo. Et je voudrais demander des questions, il y a tellement de questions. Posez-en et seulement deux. Je voudrais en demander au monsieur. Le monsieur, il était Bidas et il fait. Bidas, que c'est pas très très flatteur quand j'étais officier Bidas dans l'armée. Pas Madame Essi, oui, allez-y, vous connaissez les règles il du était débat. Hein. Bidas, et maintenant il sait que c'est la politique qu'il porte et il fait de la politique. Il était du côté du pouvoir, ensuite Madame Essi, opposition. Madame Essi, il nous mélange. Oui. Madame Essi, posez votre question directement. Il nous mélange et tout le reste. Est-ce qu'il se souvient, il est né il y a 43 ans je crois, mais est-ce qu'il se souvient quand même, il a appris l'histoire que ce régime existe depuis le temps de Gaulle et de John Kennedy? Bien, merci, on n'en prendra finalement qu'une. Merci Madame Essi d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Encore une fois, j'insiste souvent là-dessus, la courtoisie quand on s'adresse les uns aux autres pour la sérénité du débat. Alors, vous avez écouté Madame Essi, elle vous pose une question. Est-ce que vous avez souvenir que ce régime est là depuis l'époque de Gaulle? C'est ce qu'elle dit. Non, mais vous savez, je crois que la pire des erreurs que nous faisons, c'est de considérer que le RPT de 67, le RPT de 80, le RPT des années 2000 et UNIR aujourd'hui sont la même chose. Si on pense que c'est la même chose, on se trompe. Les moyens d'action ne sont pas les mêmes, la stratégie n'est pas la même. Aujourd'hui, vous avez un parti incarné par des jeunes qui vont sur le terrain, qui trouvent d'autres moyens pour séduire la population. On en parlait tout à l'heure. Vous avez quand même un parti qui, dans la région des plateaux, qui était considéré comme le fief, a réussi à prendre 22 sur 25 sièges. Vous avez un parti qui, en 2013, sur 30 circonscriptions, a pris 29, dans 29 de ces circonscriptions, un siège. Et ceci n'a été contesté par personne. Donc, si on ne comprend pas qu'aujourd'hui, les stratégies sur le terrain sont différentes, même si on peut dire que l'administration est tout ça la verrouille, je l'ai dit tout à l'heure, on va rester dans les incantations. Je comprends que la dame, elle est frustrée, c'est bien, mais c'est que si on ne change pas de stratégie, si on se contente uniquement à la limite d'exposer notre frustration, les choses ne changeront pas. Ça fait 25 ans qu'elles ne changent pas. C'est à nous de commencer par changer de stratégie pour que ça change. Encore une fois, je le dis, dans beaucoup de pays africains, surtout de l'Ouest, il y a eu des régimes qui ont été plus féroces. Mais dans ces pays-là, l'opposition a trouvé des stratégies pour pouvoir en venir à bout. Parfois la société civile. Parfois par la société civile. Maintenant, il nous revient. Ça. Nous ne demandons pas à UNI de nous donner le pouvoir gratuitement. Ils ne le feront pas. Ils sont dans leur rôle. Maintenant, c'est à nous de trouver des stratégies pour contourner. Pour vous, cette stratégie, elle passera par des élections, comme le suggère Pellé, ou par des manifestations politiques? Vous savez, quand vous décidez d'aller créer un parti politique, c'est que vous vous inscrivez dans la légalité. Et quand vous inscrivez dans la légalité, c'est que vous considérez que la démocratie, ce n'est pas forcément le meilleur système politique. Mais c'est celui pour lequel nous avons décidé de vivre ensemble. Et la démocratie, dans la démocratie, le seul moyen d'accéder au pouvoir, c'est par les urnes. Maintenant, il nous revient à nous de trouver
d'abord, dans un premier temps, les mécanismes pour rendre nos processus électoraux clairs, transparents et crédibles. Et ensuite, on peut avoir le code électoral le plus clair. On peut avoir le moyen de transmission de l'État le plus clair. Mais si les populations ne nous connaissent pas, nous ne nous trompons pas. Elles ne voteront pas pour nous. C'est clair. Emmanuel Kossia-Agbekwe dit que la crise n'est pas vécue de la même manière car les gens de l'intérieur du pays sont plus bons. Je le cite, plus militarisés, plus meurtris que nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je honnêtement, en disant la vérité, dans les campagnes, je veux dire dans les campagnes, moi, je l'ai dit, sur les 6 cantons que j'habitais, c'est vraiment la longue campagne. Vous faites dit pour vous dire tout simplement ce qui se passe. Je fais quand on prenait la ville d'Elavagnon pour aller à Kamina, ça fait à peine 50 km. On fait quasiment 1h30, 2h pour faire cette distance-là. Vous imaginez un peu l'état de la route avec plutôt des voitures plutôt quand même que costauds. Donc en réalité, ces personnes-là ne vivent pas sous une sorte de joug militaire. Parfois même ils voient un militaire que peut-être une fois en passant le jour du marché quand les gendarmes viennent vous s'assurer que tout va bien. Non, ils vivent, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une situation d'abandon et de sous-information. Mais curieusement, la commission Awanana, elle a conclu que la plupart du nord au sud voulaient l'alternance. La commission Awanana est allée dans les villes, c'est ce que je dis. Dans les villes, il y a une meilleure sensibilisation, une meilleure information que dans les campagnes. Elle est allée dans les chefs de ville, a invité des personnes qui proviennent parfois des zones rurales. Oui, mais c'est-à-dire que les personnes ressources qu'elle a invitées, c'est des gens qui sont déjà informés. C'est des gens qui savent déjà de quoi il s'agit. Maintenant, nous, on va rencontrer les gens qui ne sont pas informés, qui ne savent pas de quoi il s'agit. Et c'est ces personnes-là qui sont intéressantes. Parce que le jour du vote, un Togolais, un vote. Un Togolais, une voix. Et celui qui est dans sa campagne perdue, qui ne sait pas de quoi il s'agit, et celui qui est à Lomé, qui sait de quoi il s'agit, ont tous forcément la même voix dans l'urne. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la CEDEAO à la fin de ce mois? Personnellement, rien. Parce que je pense que le problème togolais doit être trouvé par des Togolais. Et que, quel que soit le cas, la décision de la CEDEAO ne sera profitable pour personne. Vous en êtes sûr? Parce que, vu les déclarations des uns et des autres, on a l'impression que cela va dans un sens plus qu'un autre. Non, ben maintenant, vous savez, on est dans une situation où chacun tire le drap de son côté, c'est évident. Mais je ne pense pas que les Togolais, si on était en affaire preuve de sursaut patriotique, ne pouvaient pas trouver une solution qui soit meilleure que celle que nous imposera, entre guillemets, un collectif de chefs d'État. Dans un contexte où il y a une compétition entre les nations, ne l'oublions pas, et que les autres pays ne viendront pas arranger forcément l'affaire du Togo. Donc, moi, je trouve que c'est quand même regrettable que les acteurs politiques togolais, enfin ceux qui sont désignés comme acteurs majeurs de la crise politique, n'aient pas pu trouver des moyens pour s'entendre, puisque tout le monde dit qu'on veut une meilleure vie pour les Togolais. C'est regrettable. Je n'attends pas grand-chose de la décision de la CEDEAO. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Afano. Monsieur Koku, à votre avis, la crise est-elle vécue de la même manière à Lomé qu'à l'intérieur du pays? Non, la crise n'est pas vécue de la même manière. Quelles sont les nuances? Vous savez qu'à Lomé, on est habitué à l'information et que dans les campagnes et autres, on bloque l'information à un certain niveau. On ne veut pas que les gens viennent dans les campagnes pour éclairer les villageois. C'est le problème que nous avons. Maintenant, pour lutter contre, Jerry Tama propose qu'il faut mettre en place une stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous me permettez, permettez-moi de sortir de ce cadre pour trouver quelqu'un qui se dit ça. Allez-y, on verra par rapport au fond de la question. Un acteur politique qui nous dit qu'il n'attend rien de la CEDEAO, c'est les mêmes acteurs qui disent à la population chaque fois que les acteurs togolais ne doivent pas balayer de revers de la main la communauté internationale, que si nous voulons tout avant l'alternance, il faut qu'on respecte la communauté internationale. Et aujourd'hui, voilà, moi je voudrais vous poser une question. Il a dit tout de suite qu'il était d'accord sur la position du PNP qui demandait à ce que les gens n'aillent plus dans certaines localités, que les gens sont déjà réservés. Monsieur Diritama a son parti. Posez rapidement votre question, monsieur Koko, on n'a plus beaucoup de temps. Il y a un temps donné. Quand est-ce qu'il est parti dans mon village pour faire
un meeting. Alors, situez-nous, votre village, c'est où? C'est à Fagna. Merci. Est-ce qu'on crée des partis communautaires et on crée des partis politiques pour traverser le plan national? Merci, M. Koko, d'avoir participé à ce débat. Qu'avez-vous à lui répondre? D'abord, c'est que j'ai été à Fagna au moins à 3 reprises. Peut-être maintenant, vous savez, à Fagna, ce n'est même pas un village. Il ne faut pas qu'il fasse un jure aux gens d'Afagnan. C'est chef d'une préfecture. Mmh. Et je suis allé à 3 reprises à Fagna. J'ai un bureau à Fagna. Nous avons organisé au minimum 2 meetings à Fagna avant 2015. Maintenant, après, quand vous organisez un meeting, ce n'est pas tout le monde qui vient. Donc, j'aimerais aussi le rappeler qu'il y a 6000 villages et cantons dans ce pays et que les partis politiques, quels que soient les moyens qu'ils ont, n'ont pas forcément la capacité de faire tous les villages. Mais maintenant, après, la question subsidiaire qui a posé, je comprends toujours qu'il y a des gens qui ne sont pas contents et tout ça. Mais nous avons toujours dit que les problèmes togolais doivent être réglés par des Togolais et par les acteurs politiques togolais. La communauté internationale, elle peut nous aider, elle peut nous accompagner, parce que nous sommes dans le Conseil des Nations. Mais les problèmes ne peuvent être réglés que par les Togolais, bien entendu. Alors, nous sommes à la fin de ce débat. Avez-vous eu écho de l'affaire Alexandre Benalla en Oui, France? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, dans votre mot de l'affaire? Vous savez, Macron, jusqu'à ce jour, on avait l'impression qu'il faisait un sans-faute. Et c'est une sorte de mouche qui tombe dans la soupe. Et ça montre aussi que même dans une grande démocratie comme la France ne peut pas échapper à l'excès de pouvoir que certaines personnes peuvent avoir. C'est bien regrettable. Et je crois que cela doit nous interpeller aussi à surtout régulièrement tenir compte de la probité et de la nécessité de professionnalisme des gens qui nous entourent, surtout quand ceux qui sont au pouvoir. Et les auditions en direct, ça vous donne envie des ministres, du préfet et autres. C'est ça la gouvernance directe. C'est-à-dire que ce serait bien qu'on puisse avoir dans notre pays, chaque fois qu'un ministre ou bien un grand commis d'État est mis en cause sur un sujet, que l'Assemblée nationale, par exemple, puisse le convoquer assez rapidement et tirer la chose au clair. Nous avons toujours appelé à des commissions parlementaires indépendantes sans jamais l'obtenir. Donc c'est plutôt une bonne chose. Merci Jerry Tama d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.